dans ma grammaire de l'impossible, tous les mots pourraient s'accorder, des plus fragiles aux plus sensibles, des pluriels aux plus singuliers. Je voudrais que le masculin s'accorde avec le féminin, que la raison l'emporte enfin entre les mots du genre humain, que nul ne reste dans la marge, et que dans ce monde imparfait, on conjugue autant le plus large les droits de l'homme et leur respect, qu'on accorde le droit d'asile à tous les verbes irréguliers, à tous ces mots sans domicile qui font de nous des étrangers, des sans-espoir, des sans-recours, sans refuge et sans illusion, sans voix ni loi et sans amour, la porte de nos maisons, à tous les noms dont l'origine s'est perdue dans la nuit des temps, et dont les branches ont pris racine dans la terre de leurs enfants. Qu'on efface les dictionnaires, les règles ajustées, les accords qui portent le feu et le fer jusqu'à l'article de la mort. Que nos langues si différentes apprennent enfin à s'écouter et s'unissent dans la tourmente aux confins de l'humanité. Pour briser les murs du silence dans les regards et les pensées, ouvrir les portes de l'enfance à tous les vents du verbe aimer. Dans ma grammaire de l'impossible, où les mots seraient mesurés, les mensonges seraient passibles de la peine qu'ils ont causée, et les sentences inacceptables seraient frappées de nullité, marquées d'un seuil ineffaçable et bannies pour l'éternité. Fini les écarts de langage, les détournements de pensée, les mots trompeurs qui font barrage au chemin de la vérité. Ô ma grammaire de l'impossible, j'ai choisi d'écrire le meilleur, mais sans rien occulter du pire, ni les larmes, ni la douleur. Et je rêve la couverture du grand livre de l'avenir, au chapitre de l'aventure qu'il nous reste encore à écrire, avec des mots qui nous inspirent, bien au-delà des dictionnaires, pour commencer à nous construire dans la langue de l'univers.